Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue le jeu Lost Words Beyond the Page Live sur la chaîne Caribou Canadien. Oh yeah! Nous sommes rendus au chapitre 7. Bonjour journal. Cher journal. Salut, journal. Et aujourd'hui... Bonjour étranger. J'ai beaucoup réfléchi. Le rêve de devenir écrivaine. Ouais, c'est ça. Écrivaine. Ne sait même pas. Ne sait même pas écrire. Commençons par quelque chose de simple aujourd'hui. J'ai fait quoi? Aujourd'hui, je me suis levé. Pensant à un ami. Mon petit déjeuner. J'ai essayé de regarder la télé. Un ami. C'est tout, je vais me recoucher. Salut journal. Nouvelle journée. Un ami. Chaque fois que je me réveille, pas un instant. Pas un instant, c'est un rêve. Et ensuite, tout revient. Elle est bien réelle. Je parcours ma chambre du regard. Tout me rappelle mamie. La boîte de puzzle qu'elle m'a offert. Offert l'an dernier. Tank magique. On l'a fabriqué en vacances. Robot en pot de yaourt. Peinture que mamie m'a donné. Même toi, journal. She is everywhere.
C'est partout. C'est cassé, on dirait. Anniversaire de Ben aujourd'hui. Papa a fait un gâteau. Tout doué pour ça. Même maman a insisté que je descende. Je goûter. C'est aucun. Maman a dit qu'il fallait envoyer des invitations pour les gens d'enterrement. Comment peut-elle penser à ça? Mettre mamie dans une boîte, un poisson rouge. Précipité dans ma chambre. Rien que l'idée de me rendre malade. Plus tard. Il est venu me voir pour une petite discussion bienveillante. Je sais que tu es triste. Mais ça ira mieux, tu verras. Perds le temps. Je sais qu'il voulait me remonter le moral. Bon. Tu es loin de tout savoir. Je sais que ce n'est pas le cas pour l'instant. Le temps ne va pas. Le temps ne va pas faire. Le monde a l'air si simple. Mamie a un proverbe pour ce genre d'épreuve. Mamie dit toujours, le fait. C'est toujours plus noir avant l'aube. Non, c'est pas juste. Voilà ce qu'elle dirait. Elle me dirait. Je pense sans cesse à toutes les choses que mamie ne verrait pas. À l'université, ça va bien là.
Voilà. When I go to university, she won't be there. Quand je décollerai mon premier emploi, ça sera bien là. Pas là, malheureusement. When I get my first job, she won't be there. Je me marie. Encore une fois. Ça pas là. If I get married, she won't be there. Even if that's unlikely, même si c'est peu probable parce que les garçons. Boys. I prefer cats. Je préfère les chats. Mamie laisse déjà un grand vide. Mais comment ce sentiment pourrait-il disparaître? Comment pourrais-je bien aller? Maintenant que Mamie n'est plus là, je vais devoir me sentir ainsi toute ma vie. Merci Pinky. Mes larmes ne sèchent pas. Pinky en a sûrement marre des prix pour un mouchoir. Elle ne me quitte jamais. Elle sait combien je suis triste. Je pense que ça veut dire « Remets-toi à écrire ton histoire ». Peut-être devrais-je m'y mettre. Pinky a raison. Je devrais au moins essayer d'écrire. Je ne peux pas laisser Grace comme ça. Elle est aussi perdue. As I am. Et moi. Where am I? Suis-je? A gray void surrounded her. Un vide gris l'entourait, engloutissant le sang et l'espoir. Hello? Bonjour? C'est quelqu'un? Grace dit, en continuant d'avancer, la solution se présenterait alors au mort d'elle-même. Il y a quelqu'un? Personne? Dans le vide qui l'entourait, elle trouva un abri, un palais? Quoi? Je sais pas ce qui va arriver. Il fait si froid ici. C'est vide, le néant partout. Je ne peux pas trouver les mots. Je ne trouverai jamais le dragon. Il est lucioles. Ne viennent pas. Les mots ne viennent plus. Je ne sais pas où je suis. Comment sortir? Ni même où je vais. Inutile. Quel genre d'écrivain ne sait pas trouver les mots? J'ai tout gâché. Et encore, Grace se réveilla sous un vieil arbre, une terre inconnue. Je ne sais pas si je peux encore faire ça. Elle arma de courage et avança d'une démarche élastique. Je suis si fatiguée. Grace savait qu'elle devait progresser. À quoi bon? Mettre un pied devant l'autre. J'ai échoué, c'est fini. Tant qu'elle pouvait encore respirer, il y avait de l'espoir. C'est ma faute.
Je devrais juste arrêter. Enragé. Inutile. Hey, Grace. Hey, Grace. Laisse-moi. C'est tout, laisse-moi. Psst, here. Par ici. Où ça? Je ne vois rien. Baleine. I'm right here. Je suis juste là. Je l'ai toujours été et je serai toujours. Je ne comprends pas et je m'en fiche. Vraiment? Attends. Mon destin est d'être seul. Seul et inutile pour l'éternité. Tu sais que je suis juste en dessous de toi. Je ne suis pas de très bonne compagnie en ce moment. Tu n'as pas besoin de l'être. Pourquoi ne me dis-tu pas comment tu es arrivé ici? Je sens idiot quand je dis aujourd'hui. J'ai perdu un dragon et maintenant... Complètement perdu aussi. Complètement perdu aussi. Ouais, c'est vrai que tu as l'air un peu perdu. Ça n'aide pas beaucoup. Tu as l'air de penser qu'être perdu constitue un problème. Bien oui ou non? Tout le monde se sent un peu perdu parfois, même moi. Ça sonne faux, juste faux. Je ne trouve pas ça bien grave, toi si? Bien oui, généralement, je sais quoi faire et où aller. Alors, si quelqu'un d'autre était perdu, que lui dirais-tu de faire? Je lui dirais de ne pas s'en faire autant, de continuer jusqu'à ce qu'une solution prenne corps. Pourquoi ne pas suivre tes propres conseils? D'accord, ça se tient. J'avais un repère, je pourrais m'orienter tout seul. Je vais voir si je peux t'aider. Patience. J'aime bien t'écouter, tu veux bien continuer? Ah oui. Bon d'accord, c'est juste que... Quand c'est fait, je peux à peine bouger. C'est bien. Non, des gens comptent sur moi. Peut-être, mais tu restes humaine. Et tu fatigues comme nous tous. Tu es fatigué. Ce n'est pas l'impression que j'ai.
Je suis lasse, lasse d'essayer, lasse d'échouer, lasse de tout. Tu dois te reposer. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Pourquoi? Mon village compte sur moi pour rapporter les lucioles. Ça a l'air fatigant. Oui. Tu veux qu'on se repose ensemble? Ça me paraît être une bonne idée. J'aimerais te demander quelque chose. Parle. C'est assez difficile. J'attendrai. Quoi faire désormais? Peut-être pourrais-tu m'aider à comprendre quoi faire? Qu'essayes-tu de faire avant d'arriver ici? J'essaie de trouver un dragon, il a détruit tout ce que j'aimais. Il va rapporter les lucioles, ils vont réparer mon village. Je ne sais plus ce que je fais maintenant. Qu'as-tu fait la dernière fois? La dernière fois que quoi? J'ai trouvé un dragon. Quoi? Ouais, j'en ai jamais trouvé avant. Alors comment espères-tu savoir exactement quoi faire? Je ne peux pas, je suppose, mais je le veux. Personne n'obtient jamais ce qu'il veut par la simple volonté. On doit essayer, on doit échouer parfois. Imagine. J'aimerais savoir autre chose. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Comment? Oui, j'imagine que je me sens mieux. Eh bien, c'est l'heure de mettre des voiles. C'est gentil de ta part de m'écouter. Pas de problème, alors, tu veux donc? Je sais pas distinguer le bon du mauvais. Tu savais à un moment, non? Tu avais un but, de l'espoir. Oui, je savais exactement quoi faire. Je devais arrêter le dragon, rapporter les lucioles au village. Et tu n'y es pas arrivé? J'ai essayé, mais tout est allé de travers. Tout? Tu en es sûr? Eh bien, réfléchis bien, d'accord, peut-être pas tout. Continue. Je me suis lié d'amitié avec une petite créature appelée Mott, et elle me manque. Eh bien, c'est pas rien? C'est le moment pour moi de partir. Mais je n'es pas seul. Tu es aimé. Sois indulgente envers toi-même. Puis-je y arriver? Oui, mais sois ta propre lumière dans tes ténèbres. Essayer, merci. Allez, on y retourne. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Lord World Beyond. Lost World Beyond the Page. Live. Chaîne du caribou canadien. Oh yeah.